arrivée de nulle part. Des ailes immenses et des griffes et lâcheté des sortes de fléchettes. Ça les a paralysés. Je ne pourrais pas ouvrir des portes comme ça avec mon séquenceur cryptographique. Je dois trouver un autre moyen. Je n'ai aucune chance contre tous ces hommes armés. Je peux utiliser la griffe de Deathstroke à distance pour passer au-dessus de leur tête sans me faire voir. D'accord, écoute-moi. Pendant que vous jouiez les nettoyeurs à Blackgate, les clones, j'étais en train de nous faire de l'argent. J'ai conclu un marché avec notre pote Black Mask. Si l'un de nous peut tuer Batman avant que ses assassins l'atteignent, on aura la prime. 50 millions de dollars. Pour ceux d'entre vous qui sont pas très doués en maths, ça veut dire retraite anticipée. Cool. Ça fait une jolie somme. Alors on va lui faire la peau. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend? Ça suffit. On n'a qu'une seule nuit pour agir. Alors quelle que soit la mission qu'on vous donne ce soir, je veux que vous l'oubliez. Votre priorité, c'est de trouver Batman et de le tuer. Clair? Oui, chef. Très clair. Clair comme de l'eau de roche, chef. C'est parti. Chef. Vos ordres. Chef. Des questions? On écoute. Comment on va pouvoir... Je ne dois pas faire de bruit. Il ne faut pas que ces agents du SWAT m'entendent. Question. Le chef et les assassins, ils vont pas nous prendre pour des concurrents? Ouais. Émeute carcérale, ici, au GCPD. Ça montrera qu'il n'a pas le contrôle. Ah vrai? Ça me plaît. Mais comment on fait ça? Laisse-moi réfléchir un peu. T'as trouvé quelque chose? J'ai réfléchi encore. Du calme. Le central vient de nous prévenir. Ils offrent une prime de 25 000 dollars pour toute information relative à l'arrestation de Black Mask, l'un des responsables du meurtre du commissaire Lobb. Allez-y, les gars. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire exactement, ton brouilleur? Un peu de ceci, un peu de cela. Mais la plupart du temps, ce qu'il fait, ça n'est franchement pas tes oignons. Oh, c'est comme ça que tu le prends. D'accord. J'ai peut-être demandé au type qui bosse au scellé d'y jeter un coup d'œil. Mais ils... peuvent être un peu brutaux. J'espère qu'il n'est pas fragile.
tu veux compliquer les choses. Ose mon pote. Et si je parlais à mon cousin à la Gazette de tout l'argent que vous extorquez aux pingouins et à ses semblables? Un as comme toi a un cousin à la Gazette. Et tu penses que je vais te croire? Et moi, je te vois pas appeler les scellés, pas vrai? Les poulets, vous êtes tous les mêmes. Vous obtiendrez rien de moi. Comme je disais, j'ai toute la nuit. Moi aussi, mon pote. Tu vas devoir expliquer pourquoi tu m'as balancé de ce toit, vieux. Non, c'est toi qui vas devoir t'expliquer. Comment marche ce brouilleur? Demande à un des poulets. Il est dans le local décelé. Et si on allait faire une petite balade sur le toit? D'accord. D'accord, t'as gagné. Il brouille les armes. Et il ouvre les verrous électroniques, d'accord? Bon, tu vas me lâcher, hein? J'hésite encore à te lâcher, mon cher.
Allez vous mettre dans un abri. Vous rigolez? C'est là qu'ils nous rassemblent. Vous ne comprenez pas. Anarchy a tout compris, mais vous, vous ne comprenez rien. Qu'est-ce que je suis censé faire? Tu laisses en liberté. C'est un criminel de la sécurité. Bien les gars, je veux que vous fuyiez ce taré de bâtard tout de suite. Il va nous rapporter gros, alors faites pas de conneries. On ne peut pas appliquer la loi sans faire de menaces. Ni même sans en venir aux mains. L'homme disparaît et soudainement le poste est attaqué. Quelle ville de fous. Jamais vous repérez un truc louche, vous devez tirer sans sommation. C'est compris. Je crois bien que j'ai perdu ma passion pour ce boulot. Casser des gueules, c'est mieux qu'un procès. Ça fait encore plus peur. C'est l'homme qui m'a. Agent à terre! Agent à terre! Il va nous buter! Venez me rejoindre! Allez! T'es plus costaud que ça! Allez!
Ce mec est ridicule. Il élimine des flics et il pense pouvoir s'en tirer. Vous voulez pas finir comme ça, à moins que vous aimiez bouffer à la paille. Il est là quelque part. Je veux qu'on fouille tous les secteurs. Dis adieu à ta tenue, tu sortiras d'ici en housse mortuaire. C'est compris, lieutenant. Ne panique pas, garde le contrôle. Tu peux trouver ce type. Ce type va regretter de nous avoir cherchés. RAS, c'est un extincteur. Ça sort d'où? Qui est là? Je continue les recherches. Vous serez tous au chômage. J'espère qu'il va envoyer des renforts. Merde. L'aube meurt et d'un seul coup, tous les 5 villes de la ville se croient autorisés à attaquer le quartier. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Comment il fait ça? On tombe comme des mouches, là! Je suis aveuglé! Hé, les gars, venez par ici! Allez, abandonne, Batman! Jamais tu sortiras vivant d'ici! Oui, chef. Commence à me dire que le suspect s'est enfui. Quelqu'un sait où il est? Tu crois pouvoir t'enfuir? Il y aura ta tronche dans tout notre système! T'es fini! Surveillez vos arrières, laissez pas ce fumier vous surprendre! Quelqu'un nous balance de la fumée! Merde! Indique ta position! Je t'avais pas vu! Hein? Montre-toi où je tire! J'étais sûr que ça venait de là-bas.
Thank you.
devrais pas chercher dans ton secteur? Ah, je vais laisser ça pour les gars du SWAT. Pourquoi ça? T'as pas entendu? Randen a fait un deal avec Black Mask. Ils essaient de tuer Batman pour récupérer la prime. Je crois que tu vas adorer la... Alerte de niveau 1, à tout le personnel. Évacuation immédiate du secteur. Contactez votre responsable de service. Contact... Nécessaire, il manque beaucoup de monde. Ils utilisent un protocole de sécurité que je ne connais pas bien. Et les fenêtres sont en verre blindé. Le brouilleur dans le local décelé pourrait faire l'affaire. Impossible d'accéder au local décelé. Je dois trouver un autre chemin. Le local décelé, monsieur? Eh bien, selon ses plans, il se trouve à côté d'une vieille cage d'ascenseur à laquelle on accède via l'infirmerie. Vous devriez pouvoir entrer par là-bas. Je l'ai indiqué sur votre carte.